Mec, qui s'envoie direct. Wait wait wait, on va y arriver. Bon, je voulais déjà vous dire merci merci merci. Alors on va parler crôle. Merci Bas soutien là. Non mais merci pour le soutien, ça fait plaisir. Merci pour la force, merci majestique pour le follow et comme d'hab si vous aimez le taf, on continuera parce que ça fait plaisir et le but c'est d'instruire le maximum de personnes possible. Je voulais m'arrêter un petit peu là-dessus. Alors, il y a ma grosse ganache euh, terrible qui vient, hop, voir et gâcher tout ça. Si je me mets là, je suis obligé de faire les deux en même temps. Il va falloir que je change l'espace de cette caméra. Bon, ok. Ici, je pense que vous connaissez un petit peu tout ça. Euh, là, on est sur l'explorer Et il y a quelques petits inputs sympas à regarder. Parce qu'il y a un peu moins de 48 heures, on avait pété les 10 millions de transactions sur le network. Vous savez, on était tous à le <coughs> ouais, C'est super cool. On vient de pété Les 12 millions là aujourd'hui, incroyable! Il n'y a pas que ça qui est incroyable. Merci pour le follow, ghost dit des crypto On a aussi, euh, bon, on est toujours à 60% de stacking. Ça, c'est très bien. On a pété ATH sur ATH, mais bon, ça, je pense que vous en doutiez un petit peu. Hein. C'est pas comme si le roi des ports vous avait dit que ça allait arriver. Euh, on a pété aussi. L'outil de suivi des transactions en daily. Oui, on l'a pété. Pourquoi on l'a pété Parce qu'on est à 875 cas de transactions depuis ce matin 10h. Et ça n'a pas bougé. Alors qu'on a pété les 12 millions. Et qu'on est parti, après hier soir, à environ 10, 11 millions de, 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 de transactions. Donc on a fait plus d'un million de transactions la journée. Ce qui a été confirmé aujourd'hui dans le tweet de la récap hebdo Tech Delonde Qu'on va juste, voilà, un peu passer rapido dessus. Là de toute façon, il n'y aura pas euh, des masses d'actu parce que vous savez que l'actualité principale, c'est bien évidemment le Mayer Exchange. On passera rapidos parce que j'ai énormément de questions. Alors, parce qu'il y a des trucs qui sont revenus, j'ai dû recevoir, comme je disais, 200-300 messages que j'ai commencé à traiter, je n'ai pas encore répondu à tout le monde, mais j'ai au moins des fois 20 fois la même question. Et je me dis c'est plus simple justement de, pro, de, de, de profiter de ce petit euh, mou. Euh, bon, c'est pas un mou parce qu'en soi, le deck, c'est quand même une dinguerie, mais pour réexpliquer rapidos ce qui se passe sur le deck, comment est-ce que ça fonctionne concrètement avec les swaps. Les hard vest et les withdraws, parce que ça, c'est une question que j'ai reçu 50 fois. La différence entre ça et ça, si je fais ça, est-ce que la terre explose Enfin, tu as compris avec le niveau de criticité, criticité et euh, l'attrait qui va bien. Donc, on va répondre à tout ça. Et surtout, aujourd'hui, on a pété les 13 000 adresses, nouvelles adresses, ce qui se fait qu'on rapproche un tout petit peu plus, tu vois, euh, du million d'utilisateurs, ce qui ne serait tardé. Merci, Donvin 945 pour le follow. Et... Bon, je ne sais pas s'il y a des Guadassois, Il me semble qu'il y a des Guadassois, mais 971 cas de compte actuellement. C'est-à-dire qu'il nous reste un petit peu moins de 29 000 nouvelles adresses à créer avant de péter le million d'utilisateurs. Donc, selon vous, d'ici combien de temps Là, vous pouvez répondre dans le chat de tweet. D'ici combien de temps est-ce qu'on va péter le million de transactions Perso, je mettrai un petit pari sur les maximum... 48 heures. 48 heures, je me dis que c'est faisable. On lance les débats. <laughs> tu le mérites. Merci, ça fait plaisir Fred. Moi je mange du grain, mec, c'est du rhum EGLD, Oui, et je vois que ça balance du à boire. On y va comme d'habitude. l'alcool d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération. On se demande après tout ce temps qui est modération, depuis tout à l'heure je cherche mais je trouve toujours pas. On on a envoyé du game et on recorde d'important. Du coup, il y a beaucoup de transactions. Mais bien sûr, Riding la dinguerie, mais carrément. Euh, Yo Saint Mystic. Ah ben voilà, j'ai dit, il y a des guadas qui sont là. Ben voilà, c'est vous les mecs. Ajay <laughs> Loco, salut Tika, salut à toi, Pascal. Demain, ah demain, il y a des chances. Demain, on part sur une traction à demain. Yo Demada pour le Mitch. Ah Wakonet Mafia. Flamme 1086, merci pour le message. Euh, trois jours pour Ajax Fake des fleurs. C'est le cas, c'est très précis. Mercredi à 13 h 50, on pète le milieu d'utilisateur Alors, vous savez quoi Je crois que je dois avoir un module comme ça. Ah, on va faire péter un petit sondage selon vous d'ici quand le milieu d'utilisateurs va être atteint. Tout simplement, on va être pété, même. Tu vois, parce que je pense qu'il faut utiliser des termes comme ça. Réponse 1, 24 heures. Réponse 2, 48 heures. Réponse 3, hier. <laughs> voilà, c'est parti. Hop, on envoie. Et vous avez très exactement une minute pour répondre à ce sondage. Et c'est parti. On envoie. Vous avez une minute pour voter. D'ici quand D'ici quand D'ici quand C'est vous qui voyez. Salut le Turc. <laughs> Demain, c'est certain. 333 heures et 25 minutes, 3 secondes. Oh putain, à 1000 dollars, on veut une rencontre IRL. Alors. On a beaucoup de, de demandes dans ce sens, il y a Dagnir qui m'a remonté ça aussi. Euh, J'ai bien envie aussi de faire ça. Il faut qu'on s'organise avec tout ce bordel machin Covid, savoir si tu peux faire des, des, des regroupements de personnes selon les villes et tout le bordel. Mais euh, c'est un truc qu'on va mettre en, en place hein, et on va voir ça. Call me Avenger, c'est moi modération. Partage ton verre. Allez, <laughs> salut. Euh, salut à toi, Sun. 22 h 33 heures. Ok, ça marche. Salut à toi le turc. Yes, ça va péter, vous allez fuir. <laughs> salut à toi, Caméléon. Le caveau ici dure combien de temps je l'ai fait ce matin Ah, euh, kawaii -si, ça dépend il y en a pour qui ça a été validé limite instant il y en a ça a pris 24 heures il y en a ça a pris 2 3 heures il y en a ça a pris quelques jours je sais pas c'est synapse qui gère ça et si tu l'as fait la dimanche je, je sais pas s'ils ont des équipes à 22 heures qui vont être en mesure de traiter le kawaii -si, tu vois Ouh, du coup, merci pour le follow, Francky. Donc, du coup, ce qui a gagné, c'est 48 heures. Donc, selon vous, d'ici deux jours, on va atteindre le million d'utilisateurs. On va suivre ça de très près et du coup, on va regarder ce qui se passe. Mais pour ceux qui savent, petit truc que j'ai oublié de dire, mais comme je l'avais promis, dans les tiktok pas en live, euh, je vais faire à un moment donné un tweet euh, pour vous offrir un NFT. Il y a des NFT qui sont réservés à lheure à ceux qui participent au live que je donne. Voilà, ils ne seront pas vendus. Vous pouvez les revendre après si vous voulez. Vous vous éclatez, vous faites comme vous voulez, et je vais mettre à un moment donné un message sur Twitter. Quand je vous dirai go, il faudra donc liker et retweeter du coup ce fameux post et je ferai un tirage au sort en live et il y aura 10 personnes, 10 personnes parmi vous qui gagneront ce fameux NFT. Donc euh, n'hésitez pas à être vif. Quand je balancerai un go comme ça, <laughs> en plein milieu d'une phrase euh, totalement random, il faudra aller retweeter à fond ce qui va arriver. Euh, je regarde, mi Mike, euh, putain obligé d'acheter du GLD à 400 en attendant de pouvoir destacler les miens. Je peux pas laisser ce si petit chiffre dans ma poule SSC. Ah, mais après il faut reswap. Merci Bluefast. <laughs> la réponse D, oui je pense. ou c'était la main, noire la main, waouh. Mes... <laughs> Salut à vous. Waouh, putain les gars vous êtes excités. Santé à vous. Euh, Qu'est-ce qu'on avait au top d'être Game. Ah ouais mais c'est un top, c'est un truc de fou. Majestic, faudra que tu nous expliques euh, que je vous explique quoi les petits potes. Euh, je pas suivi, j'ai pas suivi le début. De au message. Asher euh, a dit qu'il va sortir une vidéo demain sur le DEX, ça va péter. Ouais, c'est ça qui est cool. Euh, après, j'ai pas, bon, là, j'en ai pas reparlé avec lui, je pense qu'on va laisser l'actualité péter parce que il y a beaucoup de choses encore qui devraient arriver parce que là, dites-vous que ça a pété comme ça, mais en vrai, euh, c'est le lancement du DEX qu'on attend depuis euh, juin et on sait tous qu'à l'heure actuelle, nous sommes toujours au mois de juin. Oui, le maximaliste a des problèmes de repères spatio-temporels, mais nous sommes toujours <laughs> au mois de juin et que le DEX est finalement sorti. Et uniquement avec ça, actuellement nous sommes en mesure de faire un mini skyrocket parce que je pense que x2 limite x2 parce qu'on est apparemment sur un x2 limite x2 sur gd c'est pas mal x euh, je ne sais combien de pourcents sur le mex je serais incapable de vous le dire là parce que je ne l'ai pas suivi en temps réel j'ai vu qu'il y avait Avro qui avait suivi un sorti un outil afin de pouvoir follow du coup euh, le cours du mex donc c'est cool et le prix de la paire des MEX donc à voir mais ça a l'air assez énervé Uh, Team Elrond, c'est parti. SN 901. Hey Latikarmi, hola Mafia. Hey Frankie Franky Team Elrond, bien sûr. Caméléon, je salue. Je repose ma question pendant ton live comme tu m'as demandé. Je suis le projet Elrond et j'arrive à attribuer une valeur à l'IGOLD. Ah oui, je me souviens de ça. Et comprendre son potentiel. J'ai des objectifs de prix, etc. Mais pour la Defi, c'est tout neuf. J'ai aucune idée du potentiel du MEX, de son prix, de la volatilité prochain jour, Si tu pouvais me donner de ta vision. Tu fais bien de préciser ta vision parce qu'en effet, c'est ma vision et ce n'est pas forcément ce qui va se passer, je n'ai pas de boule de cristal, je ne suis pas madame Irma et je ne suis encore moins chartiste, d'accord <laughs> Mais euh, il faut comprendre deux petites choses. Sur côté GLD, tu as une image mais je vais te mettre une image mentale. Côté EGLD, c'est un lingot d'or que tu as entre les pattes, que tu mets à la banque et que tu verrouilles ce coffre-fort. On te propose actuellement, grâce au MEX, de retirer ce lingot d'or, de le faire fondre pour après distribuer beaucoup de petites pièces, tu vois, de la ferraille d'or, entre guillemets. Donc, du coup, euh, on met ça dans une machine et donc là, tu as tout un tas de petites pièces d'or qui tombent. Ça, c'est ton MEX, tu vois, qui tombe et ça commence à faire un petit tas d'or en bas. Ce tas d'or, tu as la possibilité du coup de le faire fondre pour en faire à nouveau un lingot d'or et le refoutre du coup. Euh dans euh, ton coffre à la banque d'accord par du principe que la réserve de valeur c'est le gld et que le mex en fait c'est la currency c'est comme je n'ai pas envie de dire c'est comme l'euro parce qu'il euh, ne voit pas une vision à un euro pour un mec, c'est pas ça, mais c'est un peu l'euro le, le, de Elrond, d'accord C'est un peu le cent, le penny que tu vas avoir et qui va pouvoir euh, être distribué et qui va pouvoir aussi donner un droit de vote sur euh, les propositions à, à, sur le Dex, sur les modules à rajouter, sur les votes à tendance communautaire parce que le mec c'est un token de gouvernance du Dex et ça te pourra permettre de donner ta voix sur des actions et tout un tas de choses. Donc au niveau du pricing là-dessus, euh, C'est compliqué de te dire un truc maintenant, sachant qu'il y a un mécanisme de burn pour la, la réduction des missions d'inflation qui va être soumis au vote de la communauté qui fait que euh, le pricing pourra changer parce que ça changera potentiellement les comportements d'achat. D'accord, là à l'heure actuelle, si on arrive déjà à partir sur du potentiel. Je ne fais pas, allez pas dire, attention, parce que moi je vous vois arriver, ouais, mais Tika il a dit que ça allait péter, attends. Non, c'est ce que je pense là, ça veut pas dire ça reflète la réalité. Mais si on, dé, on vise déjà le 1 centime pour le Mex, ce serait déjà très sexy. Tu vois, vraiment. Très sexy. Après, on verra jusqu'où ça peut aller, en fonction de si euh, on, on réduit encore euh, la supply, si du coup le mécanisme de réduction de l'inflation ça devient réellement un burn, tu vois, faut, faudra voir comment ça évolue là-dessus. Euh, ta 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 ta, il fait froid pour un mois de juin. Ouais, ouais mais c'est réchauffement climatique, un hein, Avenger il Y a pas de <laughs> souci. Blueface, je suis nouveau dans le monde de la crypto. Quelle plateforme me conseillez-vous pour acheter de la crypto, merci. Euh, disons que tu m'aurais demandé ça en juin, je t'aurais dit Binance. Aujourd'hui, je te dirais pas Binance. Enfin, pas pour Elrond, en tout cas, parce qu'ils sont tout le temps en galère. Les gens veulent tellement retirer leur EGLD qu'ils ils arrivent pas à suivre. Mais euh, voilà, si tu veux regarder autre chose que Elrond, je, je te dirais bah, Binance. Et si tu veux choper du EGLD maintenant, je te dirais Kukone, mais je suis pas sûr qu'il reste des masses. Euh, Crypto.com aussi et euh, autre chose comme ça. Champix x7. Bah, tu vois, c'est déjà très sexy. Géloquo, on est toujours relié Les gens vont arriver dans la semaine avec les news. Oui. Et après, il y a un truc important aussi, comme je le disais, pour le moment. Pour le moment. Ah, alors là, je, je pense que si vous voyez que je baisse la tête, vous devez savoir ce que je suis en train de, de préparer. Hein. Je n'ai pas dit le mot, mais vous devez savoir ce que je suis en train de préparer. En fait. Euh... Dites-vous que vous êtes hyper early. Hyper early dans le sens où on a juste assisté au lancement du Dex et on a les trois poules, donc du coup annoncées depuis juin. C'est sexy, tu vois, t'as as envie de zouker, t'as envie de danser le gouillade, tu vois, mais. Tranquille, tranquille, tranquille. Pourquoi? Parce que tu dis qu'il y a forcément d'autres pools qui seront ajoutés sur le Myer Exchange, ok? Benny dans la qu'il a fait, il disait que euh, oui, des projets allaient pouvoir ajouter des pools de liquidité là-dessus, mais qui aurait un process qui allait être dévoilé bientôt. Parce que il suffit pas de dire coucou, ça y est, j'ai créé un token au format USDT, j'ai un milliard de supply, on va mettre en place le stacking, et puis j'aimerais être lissé sur le Myer Exchange. C'est pas comme ça que ça va se passer. Donc il y a d'autres choses qui vont arriver dessus, et il y a d'autres modules. Sachant que le swap, c'est un module. Le farming, c'est un module. Il y a aussi d'autres choses sur la roadmap qui ne sont pas encore sur le DEX. Je pars du landing borrowing, spécialité de AAV, hein, que tout le monde connaît, qui devrait arriver incessamment sous peu. Ah, non, ah, non. Ah, attention, incessamment sous peu, non. Parce que, on va dire, Ticapo, il a dit, qui devrait arriver sur le DEX. Voilà, c'est mieux de le dire comme ça. Donc, euh, les gars, euh, soyez tranquilles. Les choses arrivent et vous n'êtes vraiment qu'au début de tout ça. Et quand le mec sera disponible, par contre, sur les exchanges... Les fameux sex CEX type Crypto.com ou Qcoin, parce que rappelez-vous, il y avait euh, enfin, Binance, euh, voilà, euh, EGLD a fait son idéo sur Binance, ce sera dispose, pas un problème. Mais Qcoin avait fait une annonce en mode on est en capacité de pouvoir lister tous les types de tokens au format ESDT sur notre plateforme. Donc vous imaginez bien que le MEX devrait y être disponible. Je dis ça, je dis rien. Donc euh, une fois que ce sera le cas, il faudra peut-être voir vos positions dans le sens où, en fonction des paires qui seront ajoutées, bon, si c'est du EGLD MEX, ça peut être sexy parce que ça tira le prix du EGLD vers le haut et c'est à vous d'en tirer les avantages, les bénéfices. Mais si c'est que du euh, BTC, Max, BNB, Max, il y en a un qui fera BNB, Max, et vous savez très bien qui c'est, et que les whales actuellement sur du BNB, ils en tapent à fond, et ils nous font un fameux petit euh, pump and dump spécialité, euh, tu vois, de, 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 des sexes, euh, il faudra faire attention à ces poules de liti. Mais jusque-là, voilà vous êtes un peu, un peu tranquille. Je passe un petit peu sur les messages. Il y a des petits pavés, les gars, mais il y a tellement de petits messages qui passent que j'ai pas le temps de tout regarder. Salut à toi, TG Olivander, JLCO, belle explication du EGLD, Max. Mer merci on essaie de faire ce qu'il faut <laughs> knock 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 max non mais c'est trop ça c'est trop ça alors du coup euh, qu'est-ce qu'on avait tu penses qu'il y aura un airdrop un jour avec le bridge par exemple un airdrop de quoi le Turc euh, zéro salut Gabo euh, que penses-tu de gros projets ah, attends euh, que penses-tu que peu de gros projets ah merci pour le follow mon airline le gros projet n'est pas encore mis sur rien. est-ce que ce sera que ce que la team Elrond qui sortent les gros projets par exemple comme ça se fait que le... Alors attends, je n'ai pas compris un truc. Par exemple, comme ça se fait que le seul Dex qui soit sorti est le Mex alors qu'elle ronde des lives depuis un moment, merci pour ta réponse. Attends, je restructure vite fait. Ok, il n'y a pas juste en fait la team Elrond qui euh, crée des, des produits. Hein, et euh, je vais t'en citer un euh, dont je suis project manager qui s'appelle Coat, qui n'est pas du tout fait par la team Elrond, tu vois, mais euh, du coup qui est en train de se build dessus. Et euh, avec la vision qu'on a du projet, c'est un gros projet. Et ça, c'est un projet sur lequel on communique. Mais il y en a plein qui sont en train de se build qui n'ont pas encore communiqué. Et je peux te dire que euh, moi personnellement, j'ai été en contact avec des projets qui commencent à se lancer qui Sont pas forcément extrêmement gros pour l'instant, mais il y a une flopée de projets qui se bulle sur Elon en ce moment même. Et si vous avez un doute, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Vous avez Poussette, Kev, Maxtrax et Paul et compagnie, donc les admins FR, qui ont créé un groupe euh, bêta tester et euh, incubateur. Et dans le groupe incubateur, vous voyez des gens qui viennent, qui se présentent et qui vous parlent des nouveaux projets qu'ils ont commencé à créer sur la blockchain. Donc soyez curieux, mais il y a des choses très intéressantes qui se passent. Euh, actuellement sur Elrond au niveau des builds des projets. Allez faire un petit tour. Mais Elrond va build, si tu veux, la première phase de projet très intéressante, tu vois, enfin, de te donner accès à tout type de service, build est maintenu par Elrond, et tu auras tout un tas de... de il peut y avoir d'autres decks, hein c'est pas obligé d'avoir uniquement celui-ci, tu peux avoir d'autres decks de projet, par exemple, où tu pourras faire euh, du, euh, du farming sur d'autres protocoles, build sur Elrond. Euh, pourquoi ils n'ont pas intégré le stack du EGLD euh, Parce que tu peux le faire depuis et Maillard et tu as le steak qui est disponible sur la blockchain, pas besoin de l'avoir sur le DEX, c'est qu'il faudrait déjà qu'il fasse airdrop pour les portefeuilles Metamask et autres. Ah ça après j'ai pas l'info là dessus, faudrait que j'aille regarder directement, mais euh, j'ai pas j'ai pas l'info les gars, euh, désolé. Euh, bully le seul et l'unique ok il y a beaucoup d'habitués de la défi sur Twitter qui disent que mecs ça va d'homme fort qu'en penses-tu bah ben écoute moi j'en pense que la majorité des gens qui sont rentrés là-dedans euh, ils utilisent leur reward pour bloquer enfin doubler la PER et euh, du coup bloquer les mecs Beaucoup de personnes euh, qui sont actuellement sur le protocole sont ceux qui ont euh, entendu parler des Londres et qui ont peut-être un ou deux EGLD. La plupart ont participé au snapshot. C'est d'ailleurs eux qui ont commencé à apporter la liquidité. Oui, il y a des personnes qui vont dump leur token forcément pour faire un take profit. Ça, c'est la vie, ça arrive. Et après, j'ai envie de te dire. Euh, <laughs> Si tu regardes les prix auxquels tu as commencé à taper le MEX à l'heure actuelle et que tu as une vision long terme, pourquoi Parce que comme je l'ai dit, il faut toujours follow le plan, mais tu es rentré très bas, tu as swappé des EGLD qui ont pris de la valeur, hein, donc ça, j'ai envie de te dire, normal, derrière, tu vas avoir donc, euh, le, 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 le MEX qui va potentiellement corriger parce qu'il y en a qui vont dumb ça fort, ça c'est un fait et ça peut arriver, il y a aucun problème, mais... Après, tu as une, tellement, as une telle grosse. Euh, un, un, un méchant engouement derrière. Tu vas avoir tellement de listings qui vont arriver. Tu vas avoir aussi des use cases qui vont arriver avec le MEX, Parce que euh, le problème, tu vois, de, des gros influenceurs, je dirais, qui commencent à s'y intéresser, je nomme pas, mais vous, je pense que vous savez de qui je pense, euh, qui justement pense cette chose-là, euh, c'est qu'ils ont l'habitude des AMM. D'accord Ils n'ont pas l'habitude d'AMM avec des visions au-delà de l'AMM. Tu vois Donc. C'est pas grave. J'ai envie de te dire, au pire, si le token se met à dumpé, ça permettra de recharger encore plus fort la position. Je sais, euh, je suis un aileron de maximaliste, c'est pas un problème. En revanche, ce que je me dis, c'est que le mec, c'est une opportunité au même titre que le GLD au format ERD. D'accord Il n'ira pas au même pricing, c'est pas du tout ce que je suis en train de vous dire. En revanche, les use cases qui vont arriver derrière et les potentiels projets qui vont se build sur la blockchain, qui pourraient faire appel au MEX, je me dis, il y a autre chose à voir. Rappelez-vous, en plus, dans le live qu'a fait Benjamin, il disait. Le but c'est d'avoir du mix et de le holder long terme parce qu'on fait autre chose qu'un simple AMM. Vous savez très bien que ce mec là, c'est un peu Hollywood, d'accord Sauf qu'il fait des trailers, il annonce pas la date de release, il fait des trailers et après le film sort toujours. D'accord Donc mettez-vous ça en tête et soyez tranquille. Essayez pas comme ah, commencez pas à vous pourrir l'esprit avec du ah putain mais ça va d'homme, il faut que je revoie ma position. Les gars, vous avez dédié un montant, un pourcentage de vos toilettes directement sur le DEX, on reste là-dessus et le reste, on s'en bat les steaks. Vous avez un budget DEX, vous avez une strat EGLD, c'est deux choses différentes. D'accord Bon, Opium Riding, je suis d'accord. Marco, ça y est, il y a un onglet sur le Mex pour CoinMarketCap. Oh putain, super. Alors attends, on va regarder ça en live. On va regarder ça en live. Ils l'ont appelé Mex parce que je crois qu'il y avait déjà une, une merdouille qui s'appelait le Mex, non, sur CoinMarketCap. Ah, oh, Maillard Mex, les gars, oh, oulou. Allez, on va follow direct. Oh, ils n'ont pas encore traqué la data. Ok, ils traquent pas encore la data, mais on follow direct. Merci Marco pour cette, cette exclusivité. Putain, j'en peux déjà plus. Beni plus rien sur Maillard. Comment ça, plus rien sur Maya Je n'ai pas compris Rick, Non, mais j'ai le de 2500 dollars au premier trimestre 2022. Je fais partie de la team de dollars. Je jure, c'est comme un Américain que c'est quelque chose qui, euh, au vu de la timeline, pourrait arriver incessamment sous peu. Yes, sir. <laughs> du coup, bam bam bam, Magic stick. non, tu peux plus acheter sur Maya. Ah oui, après, oui, d'accord. Le truc, c'est que sur Maillard, euh, les fournisseurs s'approvisionnent euh, sur Binance, généralement. Donc, euh, vu que Binance ne fait pas de retrait, ils ne peuvent pas acheter, éventuellement. Marco, comment peut-on savoir s'il y a plus de LKMEX que de MEX normal perso J'ai plus de LKMEX que de MEX normal. Oui, et moi aussi. Euh, je ne sais pas si cette data est traquée. Peut-être sur l'analytique, c'est une bonne question. Mais je ne sais pas si la data est traquée euh, là-dessus. Parce que oui, l'onglet analytique est euh, du coup disponible. Je ne sais pas si tout le monde l'avait vu, ça. Mais voilà. Mais on a le MEX, tu vois, on a du EGLD MEX. Donc ça, c'est les poules Et dans la poule EGLD MEX, on voit pas les LP. Mais on voit... Ah, d'accord en fait, on voit le nombre de tokens par pool, grosso modo, mais ça ne te montre pas le LKMX. Donc, tu n'as pas le nombre de LKMX, Marco, mais tu as le nombre euh, de tokens décomposés à l'intérieur d'un LP-token. <laughs> voilà. Euh, je passe mon temps... Alors, Mix... C'est Mimix. Je passe mon temps à faire Harvest All, Swap Max Twiggle, à Liquidity Stake. Mais... C'est ça. En fait, c'est l'infini loop <laughs> tu vois, euh, de l'indépendance financière. C'est exactement ça. Franchement, en ce moment, si vous êtes en train de faire la, 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 la strat FCP, J'adore ça FCP. T'as l'impression que c'est un truc qui est high level. Oui non mais tu sais moi je fais des trades mais en mode FCP. Tu connais pas? Ouais alors attends bouge pas je t'explique. Je farm comme un porc. Ouais je suis un enculé. Moi je farm vraiment comme un porc. Mais comme un gros gros porc. <laughs> ben, c'est exactement ça. Mais Mix dit je passe mon temps à faire harvest hall. Donc vous savez quand vous récupérez donc euh, tous les rewards que vous avez dans une pool, vous swappez les mecs en EGLD, vous ajoutez de la liquidité et ça repart. Bon, bah voilà, terminé, qu'est-ce que tu veux que je te dise Bon, après il faut l'équivalence en en face, mais c'est cool. Euh, Franck, mec, tu peux aider à lancer un projet, il est fou. Ouais. Il faut passer par les DM, mais franchement, les gars, je suis déjà pas mal sous l'eau. Euh, après, euh, je ne vous garantis pas les délais de réponse euh, ultra rapides. Là, il y a, je sais qu'il y a des personnes qui ont écrit, je crois, il y a, il y a deux semaines. Je n'ai pas encore répondu. Je suis en train de répondre à des trucs d'il y a trois semaines. Donc, euh, je, je suis hyper loin à répondre sur Twitter, les gars. Euh, désolé. Vous pouvez m'envoyer un message, mais je ne peux pas garantir de, de répondre tout de suite. Hacheuse, salut toi. <laughs> toi aussi, tu es refait avec Elrond. Et ce dex me donne envie d'arrêter de bosser. Salut Hacheuse! Euh... Ouais bah forcément, enfin tu sais moi je je, je dis depuis maintenant plus de 20 semaines. Qu'il va y avoir des dingueries qui y arrivent. Ça doit faire 10 semaines maintenant que je parle du Dex. Ça fait euh, <laughs> 10 semaines que je dis, voire même plus, ça doit faire 15 semaines même, que je dis, ça arrive la semaine prochaine, depuis juin, et qu'on repousse, et que je vous dis, mais ça va être incroyable. Perdez pas foi dans le truc, stekez, faites vos plans, attribuez un budget, patati patata. Et hier soir, en fait, c'est un peu la consécration sur la Champions League. Enfant en revanche, n'oubliez pas que là, on est sur 8 semaines d'émissions exceptionnelles de token. Ça va pas être comme ça, monde et Merveilles, à Vitam Eternam. C'est pour ça que farmer comme un port maintenant, c'est intéressant. De 1 pour pouvoir éventuellement augmenter son bac de GLD. Et de deux, pour accumuler un maximum de MEX. Après, les rendements se calmeront avec l'émission de tokens euh, par MEX, par bloc, qui va fortement diminuer. Ça, c'est un fait. Mais, profitez-en et n'arrêtez pas de bosser. Passez pas full-time crypto maintenant. Bon, sauf si tu viens de te taper 7 petits millions de dollars. J'ai rien à dire. Arrête de bosser. Bon, bah prévois aussi les 30%, tu vois. Mais, arrête de bosser. Mais si c'est pas le cas piano sano, tu vois comme dialecte. Axel, tu sais quand sera fait le premier drop de MEX Sera réellement un hein MEX ou un Et comment sera faite la distribution Si tu parles, alors c'est pas un airdrop, c'est euh, euh, l'envoi du snapshot sur les adresses, potentiellement tu dois parler de Uni, Sushi et Pancake. Honnêtement, j'ai n'ai pas regardé, je ne sais pas du tout. Je vais, je vais poser la question, mais je peux pas répondre à ça, les gars, parce que je ne sais pas du tout, je ne vais pas te dire conneries. Pascal, au vu des chiffres de la ferme, j'ai l'impression que j'ai fait un x3 en deux jours, je me demande même si c'est vraiment ça. Alors moi, je vais être totalement honnête avec vous. Euh, j'ai commencé à regarder un petit peu ça euh, mon portfolio il est complètement à côté de la plaque dans le sens où euh, à un moment donné je me suis perdu et euh, je sais plus réellement euh, combien de gld j'ai mis dans ce pool là parce que ça fait des lkmex et tout ça machin tout ça je me dis je verrai après en tout cas je sais que j'ai mon montant de gld que j'avais prévu grâce à mon plan un pourcentage après il est possible que j'en ai perdu un petit peu au vu de l'impermanent loss mais au vu de ce qu'il y a en face bah, au final ça compense tu vois il faut pas oublier aussi qu'il y a le stacking qui continue à tomber derrière. Donc les mecs en fait, vous êtes doublement gagnants, <laughs> tu vois. C'est ça qui est incroyable, c'est incroyable. Leur drop de mecs c'est toujours bloqué pour longtemps. Je ne c'est pas air drop, c'est un snapshot. AMM, automated market maker. Donc c'est exactement un dex en fait, c'est tout simplement ça mais c'est la la dénomination technique. On dira ça comme ça. Vando for real, parlait de crypto farmer, crypto farmer, yeah. ouais ouais, il parlait, il paraît que c'est lui quoi. Il y a mixem qui a créé des bracelets avec des pierres météoriques et Space Fox et tout ça en NFT sur Elrond, c'est ouf. Ouais, c'est pas mal, ça va certainement faire pas mal de gens s'intéresser à Elrond. Après, ça dépend pas comme moi et gérer la communication derrière, tu vois. Est-ce que, euh, parce qu'en fait, tu vois, il en a parlé rapidos, oui, gros projet, j'en ai parlé. Merci pour le follow, euh, the rich, euh, j'en ai parlé à Benjamin, you know, j'en parlais avec Asher et tout. Enfin, pas moi, mais lui, tu vois, qui dit ça comme ça. Mais derrière, est-ce que l'expérience utilisateur, c'est J'achète le bracelet, du coup coucou c'est cool, on me l'envoie avec ma petite carte métallique, c'est celle-ci. Et derrière j'ai un mail avec les instructions télécharge Maillard, euh, donne-nous ton Hero Tag, ou est-ce que pendant ta commande tu renseignes ton Hero Tag et du coup tu télécharges Maillard pour recevoir ton NFT Je n'ai pas le process et j'ai pas été fouillé. Mais ça peut être sympa. Call me Avenger, tellement bien pensé d'avoir le quai de les mecs, n'empêche. Oui, monsieur. Nous récemment suivant les NFT sur Elrond. Mais il y en a déjà via des plateformes communautaires. Mais Benjamin a dit, et vous savez, je vous disais, il y aura peut-être un trio gagnant. Merci les Louis pour le follow. Il y a peut-être un trio gagnant. Là, on ne peut pas tous se prendre dans la gueule en mode November, euh, Dex, Lunchpad, Bao Bao, et on balance le Marketplace. Non. Mais Beny a dit pendant son live on lance le Dex et le Lunchpad avec le premier projet, vous savez, qui est HoloRide, dont du coup, euh, le KYC s'arrête euh, ce soir, hein, théoriquement, demain. Vous plus passer, donc faites-le. Et euh, il a dit comme quoi euh, ils sont en train de faire un truc assez fou, tu vois, côté NFT Marketplace. Donc il y a une team hein, qui est dédiée à ça et euh, que ça devrait arriver incessamment sous peu. Donc laissons cette petite hype méchamment passer là-dessus et après, Elrond va arriver son Marketplace NFT avec des trucs visiblement. Un petit, peu, un petit peu sexy, qu'on n'a pas visiblement l'habitude de voir sur des, des, des plateformes de NFT. Donc j'ai très envie de voir ce que c'est, et euh, je mettrai très certainement aussi du NFT là-dessus. Merci pour le follow, The Crypto Romagnard. Oh bah là là, les mecs, je me retrouve qu'avec des ronds maxi au final. <laughs> Il y a un, un, un chaîne, du coup, crypto sur Twitch, et au final, on va avoir que des ronds de maxi dedans. Incroyable, au pseudo pseudo. Alors... On va faire un petit tweet, les gars. Je prends une minute, j'écris le tweet. Et comme je disais, maintenant, dans les petits par en live, donc là, j'écris le tweet, je vous le dis. D'ici une à deux minutes, je vais vous dire go. Il faudra liker, et retweeter ça. Et 10 d'entre vous recevront des NFT que j'ai créés, comme ça, free. Vous pourrez les revendre, vous les conserver, faites ce que vous voulez. Et c'est des, des NFT réservés à l'armée uniquement, euh, que vous pourrez donc après utiliser et garder en souvenir et en mode réservé uniquement aux personnes qui assistent au live. Ça, c'est la base. Alors. On va mettre RT, voilà, comme d'habitude, like et RT. Et cette fois-ci, on va mettre un petit tag, un pote. C'est tout, juste un pote. Like, RT, et un, 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 qu'on appelle ça, euh, identifie. Voilà, c'est ça. Un ami, c'est cool. Voilà, on fait FCP. Hop, voilà. Hop, elle ronde. Voilà, boum, et bien évidemment la Tikarmi, les amis. Parfait. D'ici quelques minutes, quelques secondes ou minutes peut-être, je vais voir. Dès que je vous dirai go, il faudra aller sur le profil tutoire et RT directement. Waouh 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 waouh. Tous les messages, les gars. Alors je regarde, je reprends. Désolé, il y en a deux, trois que j'ai dû passer parce que sinon je vais y passer 4 heures. Euh, mais j'essaie de répondre à toutes les questions. Là, tout ce que je ne peux pas répondre sur Twitter. Et n'hésitez pas, on bombarde et j'essaie de, 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 de bombarder tout ça. C'est fait pour ça. Les ticapos par en live du dimanche. Euh, John, j'ai 38 conseil d'accumuler pendant les 8 semaines ou de tp avant. Je te dirais de surveiller l'actualité et de faire attention, comme je disais tout à l'heure, à... Euh au listing du MEX sur les exchanges, même si ça se fait pendant les 8 semaines, il va falloir regarder comment ça se comporte du coup sur les exchanges, parce que forcément, s'il y a de la demande, de tension sur EGLD parce que les gens vont vouloir en acheter potentiellement pour fournir la, pour avoir la paire et, et faire le swap, tu vois, ou euh, est-ce que les gens vont pas dump aussi directement euh, le MEX, parce qu'il y a des pump and dump hein, là-dessus, je vous apprends rien au listing sur les sexes et euh, qui importe, qui impacte pas trop ta pool euh, de farming et augmenterait pas trop ton impermanent loss, ça dépend de combien tu dis disposent sur la poule, et combien sont estimés tes rewards euh, Marco, ouais, c'est dommage que l'on n'a pas nos snapshots de cake, ou une, ouais, je pense que ça devrait arriver, mais j'essaierai de me renseigner, je vais, je vais poser des questions, mais franchement, les gars, je peux pas vous dire. Euh... Désolé, je suis à la bourre, il n'y a pas de souci, t'inquiète, on est là. Flow69, ah, 6, 9 Pélo, j'ai entendu dire que le mpad avait été abandonné. Tu as des news j'ai pas eu la news comme quoi il avait été abandonné. Ça, je ne peux pas confirmer, ce pas la news que j'ai eu euh, Perso, je suis doublement gagnant car j'ai pu récupérer tout ce que j'ai mis dans les poules en revendant les mecs et j'ai pu avoir au tout début du lancement du Gold des poules mayard <laughs> Mec, c'est free, je suis refait. Voilà, tu joues avec la crème de tes investissements. Merci pour le follow, HeraHera92. Mi Mike, impossible d'envoyer mes. Gold de Binance vers Non, mais ça c'est fou. Hein. Franchement, ça c'est une dinguerie. Quand je vous dis not your key, not your phone, les mecs, c'est un truc de fou. Euh, franchement, et puis je sais même pas quand est-ce qu'ils vont les réactiver. Il faut qu'ils rechargent Là, du coup, et ça commence à être tendu. Donc euh, théoriquement, vous finirez par les avoir. Mais euh, Binance, je crois que c'est la troisième ou quatrième fois là qui bloque les, les retraites Hacheuse. Vendredi, 1h du mat, j'ai all-in mes GLD en mecs, puis j'ai re mes mecs en EGLD à 3h du mat fois 3. Depuis samedi, je farm le dex avec uniquement des gains. Voilà Farm comme un porc, c'est exactement ça Et tu joues avec la crème de la crème. GG, Hacheuse. Euh, Mikado23, Yotika, je viens d'arriver, je sais pas si tu as déjà répondu à la question, mais tu réinvestes tous les combien tes rewards bah, Ça dépend, c'est en fonction de la somme que j'ai, mais ça dépend des moments. Euh, je vais pas te mentir, le jour de la sortie du deck, je crois que toutes les 20 minutes, je le faisais euh, par peur que euh, tous les taux chutes et compagnie, maintenant, je suis peut-être à une fois par heure, à peu près, parce que le but, comme je vous le dis, de farmer comme un porc, c'est aussi de pouvoir se battre, soit récupérer sa mise de départ en EGLD si ça n'a pas été fait avec le swap de mecs au lancement, voilà, <laughs> sinon, c'est uniquement directement de, euh, de, de, de continuer à accumuler un maximum de mecs, tu vois, et après, les mecs que tu accumules, pour éviter d'avoir à dire putain, à un moment donné, il faut que je les revende, tu les loques dans la poule mecs-mecs, ça tourne, raouh, et puis terminé quoi. Mini frimousse. Allez, go, euh, Barbiche November. Allez, pourquoi pas, pourquoi pas. Euh, déjà judicieux de charger la mule comme un porc en riff. Euh, riff, ouais, moi je continue à rentrer fort. Euh, enfin, fort. Je rentre quoi, tu vois. Après, euh, je sais qu'ils sont en train de se démener en ce moment pour activer euh, le stacking via Binance. Donc euh, ouais, je rentre fort, sur RIF. Mais après, cela n'engage que moi, bien évidemment. La d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération. Va vraiment falloir qu'on en fasse un NFC de ça. D'ailleurs, Pat, si jamais tu passes là-dessus, fais-moi un truc en 3D avec la d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération. Mmh. Mmh, mmh, mmh. Salut à toi Someone, Majestic tuto réinvestir, reward, STP, optimiser rendement. Alors ça, je l'ai déjà fait dans la vidéo les gars du My Air Exchange et surtout dans la petite vidéo de 30 minutes euh, Majestic. Je t'invite juste à la regarder. Elle est dispo en replay euh, sur Twitch et sur YouTube. Elle date d'il n'y a même pas 48 heures. 30 minutes où j'explique que ça, donc que ça en plus, donc c'est pas un live d'une heure et demie. Donc je t'invite à aller la regarder.

Parfait, on y va, boum, on envoie ça, boum, on met les liens, bao bao. Les gars, je pense qu'il est temps de vous dire le petit mot. Je pense qu'il est temps de vous dire. Alors, il faudra liker, RT, identifier un ami. Ok, un NFT offert à 10 spectateurs du part en live. C'est propre. Go <laughs> Et on fait le tirage au sort d'ici la fin du live. Alors, du coup, papa, -pa -pa Cryptozo Donc, normalement, il est là. Attends, je, je vais l'épingler parce que sinon, je sais qu'il y en a qui vont pas retweet le bon truc. Et après, ils vont me dire, ouais, tika, j'ai fait, mais pas sur le bon truc. Patati, patata. Alors, attends, on va épingler celui-ci. Ouh là, là putain, ils sont chauds. Ça y est, ça se met à jour en temps réel. Là, ils sont chauds. C'est bien celui qui est épinglé, du coup, qu'il faut RT. Bon, ça, c'est le soft qui l'a publié automatiquement, mais c'est ici. Donc, on like, on RT, on identifie un ami, et il y en a 10 d'entre vous qui repartent avec un NFT. Je suis comme ça, moi, je suis dans le don. Allez, c'est parti, on y va, on y va. Pour le Launchpad de demain. Sais-tu si des GLD en cours de destacking seront pris en compte dans le snapshot Je pensais que le snapshot avait déjà eu lieu. Alors, en fait. C'est pas réellement un snapshot, c'est en temps réel. C'est-à-dire que c'est en fonction des EGLD qui sont stackés. Euh, des stacks, pour moi, ils le sont encore. Le seul truc c'est est-ce euh, que tu es dans les 10 jours et que tu auras retiré avant euh, l'achat des tickets? Ce qui fait que si tu les retires complètement, tu pourras peut-être perdre un tiers et acheter moins de tickets. Donc euh, à surveiller ça. Merci Ando Sensei pour le follow, euh, salut euh, Alsgur, Bibi Frious, tu penses que les APR vont baisser rapidement, on a quelques semaines devant nous bah, Les APR as déjà vu qu'ils ont pris une claque, hein, c'est normal parce que c'est ce que les gens font en priorité, et moi j'adore voir ça, ça veut dire que les gens loquent la liquidité, Pff, donc c'est très bien, je suis ultra content, après euh, ils vont continuer à baisser, et puis comme je te disais, l'émission à un moment donné elle va, elle va arrêter quoi. Enfin, elle va diminuer, bien évidemment. Tilsi, on sait quand reprend les transferts depuis Binance. Non, je ne sais pas. Et, mais vous savez qu'ils ont un groupe Telegram. Allez, les mais spam les. Hein. Enfin, moi, je serai vous, je les identifie. Hein. On balance des tweets et euh, tu fais, One euh, EGLD, euh, laissez-moi sortir mes EGLD. Euh, Qu'est-ce que c'est que ce bordel Plus vous faites du bruit, plus vous serez entendu. Hein. C'est la commu qui drive, hein, les gars. Euh, TG Ollivander, les taux diminuent rapidement. Tu penses que ça va donner quoi sur la poule EGLD, mex Merci. À quel niveau Si on est sur des APR... D'ailleurs, elle est où Allez, on y va en live, coco. On est comme ça. Papa, pas chaud chez vous. C'est parti. Alors, la farm, on est à quoi là On est à 3000%. Ouais. Écoute, euh, je pense que là, potentiellement, sur, euh, à la semaine, ça devrait pas trop, trop bouger. Tu vois, sachant qu'ils ont déjà pris une bonne petite lac, qu'ils ont perdu quasiment 7K de pourcent. Euh, après, tout dépend si on a un listing de, de sexe dans la semaine ou dans, les, dans la semaine d'après, ça dépend, tu vois. Parce que si on a beaucoup de gens qui se mettent à acheter du MEX et qui a déjà du EGLD et qui se la ramène du coup sur le DEX pour participer aussi, tu vois, et farmer, ça va encore diminuer, tu vois. Donc, euh, à confirmer. En tout cas, je pense que cette semaine, les APY sont toujours supérieurs aux APR et on en reparle d'ici la semaine 2, au moment où l'émission de token va diminuer et potentiellement que le mec soit listé ailleurs. Euh, majestica winxpaper oui, yes euh, ajax fait des fleurs oui il a tweeté ajax fait des fleurs juste là putain allez plus 20 je vois 80 là mais vous êtes trop vénère hein. vous êtes vénère le tweet il a trois minutes vous êtes trop vénère hein. <laughs> euh, Ah bah enfin il va sortir sa nft oui bah 10 personnes donc théoriquement vous avez vos chances les mecs cryptobaser pour un le... ah, ça, bon j'ai vu euh, altici je crois pas malheureusement Ah, je sais pas c'est à quoi tu répondais <laughs> c'est pour moi ma gueule allez c'est parti Hunger Game. Euh, ta, 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 salut Matt Gaming. Crypto Maillard, oui, les 10 jours, j'en ai 100. Bah, ah, alors, Crypto Crisy euh, Roro Mayer pardon, ne dis jamais combien tu as de GLD parce que que ce soit dans mes lives ou que ce soit dans les commentaires ou quoi que ce soit, tu vas toujours avoir des scammers qui vont te cibler et après qui vont arriver en mode Eh coucou, ça te dirait pas de venir aux soirées Voilà, donc déjà qu'il y a des mots clés à éviter, genre masque et compagnie, dis jamais combien d'en a, tu vois. Mais euh, si t'es dans les 10 jours, ne confirme pas la transaction d'unstacking et regarde en te connectant au Maillard euh, Lunchpad si tu participes toujours à un des tiers, tu vois. Et si tu participes toujours à un des tiers, euh, et ben euh, tu pourras, tu pourras, tu pourras en acheter à condition que t'aies de des objets en available et si tu t'en as plus en available et que as euh, euh, des stacks ça va être compliqué euh, la boul'zair comment va se passer l'achat des tickets et eh ben en gros tu vas pouvoir acheter t'es bah, vous savez quoi les gars on, on va repasser dessus parce que en vrai tout faire de tête, je veux pas dire, mais il y a un moment donné où ça commence à devenir compliqué cette histoire. Bon, alors, tu arrives là, tu te mets sur View Project, ici, et tu vois euh, ici, voilà. Donc, depuis le 4 novembre, vous pouvez faire le KYC. -si. Encore une fois, vous avez jusqu'à ce soir, théoriquement minuit, pour l'envoyer. Après, c'est mort. Et est-ce que ça va être traité là Honnêtement, j'en sais rien. Mais euh, vous aviez depuis le 4 novembre, les mecs, hein, donc quand même. Ensuite. Le 24, on va avoir donc euh, ce qu'on appelle un, un, un shuffle qui va sélectionner, donc du coup, euh, en fait, qui va vous permettre d'acheter des tickets. Donc ça, vous allez pouvoir acheter des tickets en fonction de l'éligibilité que vous avez. Vous avez des tiers. Les tiers, c'est par exemple si vous avez euh, un EGLD. Vous allez pouvoir acheter au maximum un ticket, du coup, et plus vous avez de GLD, forcément, plus vous pouvez acheter de tickets. C'est pour ça que je vous disais aussi, garder des EGLD en available, en disponible, que ce soit sur MyAir, WebWallet, Ledger ou quoi, ou Caisse, pour pouvoir ensuite participer à ce fameux lunchpad. Ça, c'est le 24. Dès le lendemain, vous allez avoir donc le tirage au sort qui va être fait avec l'annonce des tickets gagnants. Comment ça se passe Si du coup, tu as acheté un ticket qui est sélectionné, qui est gagnant, paf, tes EGLD, merci, boum, je t'envoie des rides. Ok, merci, Je attendais pas moins de ta part, quelque part. Si tu n'es pas sélectionné, tu dis ok, euh, tu peux récupérer les EGLD que tu avais utilisés pour acheter des tickets. Il n'y a pas de perdant, d'accord Il n'y a que des gens qui gagnent ici. Eh ouais, qu'est-ce que tu veux que des numéros 10 dans la team Et du coup, euh, voilà, dès que as pas, si ton ticket n'est pas sélectionné, tu peux réclamer tes EGLD. Si tu avais acheté un ticket et qu'il est sélectionné, boum, ça part, tu reçois des rides. Aussi simple que ça euh, je regarde un petit peu les commentaires, hein, les gars. Bam, 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 bam. Euh, Francky, parle-nous de GLD, USDC aussi, s'il te plaît. Alors. Franchement, des USDC, moi, je ne suis pas rentré parce que, parce que, parce que je ne suis, suis pas très stable. Alors, ce pas que je ne suis pas très stable comme mec, mais je ne suis pas très stable au coin. Il ah, y a peut-être du fait que je sois pas non plus un peu hein, très stable comme mec. Parce que des fois, tu te demandes si le gars, il n'est pas trop... Enfin bref, ça, c'est un autre sujet. et Du coup, euh, je la trouve trop sage. Honnêtement, cette poule, je la trouve trop sage. Et je me suis dit, en vrai... Euh, au lancement du dex, tu vas pouvoir swapper des EGLD pour des USDC. C'est cool, euh, mais il va y avoir voilà les gens qui vont utiliser le bridge, donc V1, qui va être optimisé pour le V2 parce que je sais qu'il y a eu euh, du coup quelques transactions qui ont été bloquées et qui ont mis du temps à arriver sur le dex. Mais en même temps, il y a eu un, un income ultra important, un inflow comme on dirait. Du coup, euh, ça a permis de faire pas mal d'arbitrage. Pourquoi Parce qu'à un moment donné, bah, vu que ça a créé une tension sur le GLD, en l'occurrence sur cette poule-là, il euh, bah, y a des gens qui ont pu acheter le GLD beaucoup moins cher, tu vois. Et le prix de l'USDC était pas raccord-accord avec ce qui se faisait à côté. Donc je, je me suis dit tout de suite, c'est cool si tu sais ce que tu fais et que tu maîtrises les notions d'arbitrage. Sinon, c'est un peu compliqué. Donc je reste en strat, farm comme un porc, à 90% dans la poule GLD, Mex. Et de toute façon, c'est là où on prend la moula. Merci, au revoir, ça fait plaisir. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre Je pense que j'ai eu de la chance hier, mais j'ai pas pu withdraw e drop mes GLD depuis Binance. Putain, c'est chaud. Mais là, en ce moment même, vous êtes encore bloqué Parce que je crois j'ai vu des messages depuis 15h, 16h, où ça ne marchait plus, mais là, 22h, limite, vous êtes toujours bloqué sur Binance, là euh, Va nous faire la quantité de MaxLock. nous ne savons pas s'ils si sont lock en x2 ou juste LCA ah Attends, la quantité de Mexlan, nous ne savons pas s'ils sont lock en x2 ou juste en LKMX. Ah oui, non, parce que comme je disais, tu vois, sur l'analytique, euh, tu peux voir dans une des poules, mais tu peux juste voir le montant de token dans les paires LK, mais tu vois pas en fait la quantité de LK, tu vois. C'est peut-être une strate qui sera... Euh, une strate, non. C'est peut-être une, une data qui sera traquée plus tard. Oula, merci pour les follows, Kevin Oubaguet, ok et Julien Wows. Quoi euh... Certains font le rapprochement entre l'inflation qu'on vit sur le meilleur dex avec la situation vécue avec le chrono, c'est son énorme dum vécu sur Chronoswap. On a peur de l'iel et sinon comment s'en prémunir Avec la stratégie ferme comme un porc, dans l'idée on s'en bat les steaks de l'iel. Pourquoi Parce que je le répète, mais je le répète beaucoup, mais je, je, je enfin. Et je sais qu'il faut que vous ayez en tête que l'iel existe et c'est pas du tout un mythe, OK Cependant, si vous avez défini un objectif de bague, un pourcentage de votre bague qui est dédié au dex et que vous êtes là depuis le début à farmer, honnêtement, vu les rendements, l'iel il est plus qu'à menu à menu Oui, c'est ça ou, ou diminuer, je dirais. IL, il va être important et il va falloir regarder ses positions à partir du moment où euh, les sexes, donc les Binance, Crypto.com, Coin et autres, vont commencer à lister le MEX. Je n'ai pas peur d'un gros dump. Pourquoi Parce que, regarde, si tu te mets directement, parce que c'est aussi simple que ça, et c'est là où, où Benjamin, il est malinx ou le lynx, comme dirait l'autre, vous avez les APR et les premiers taux qui, sont semi, qui se sont mis à chuter comme des bâtards. Ce sont ceux-là. Ce sont les taux d'APR. Et pourquoi Parce que les gens ont fait le choix de bloquer la liquidité pour avoir un doublement de l'APR. D'accord Donc, pour moi, la majorité des gens qui sont actuellement sur le DEX utilisent l'APR. D'autres Uniquement la PY, pourquoi choper un maximum de mecs, les swapper en EGLD et se refaire une petite santé Ou loulou, mais la plupart des gens qui vont utiliser ça à long terme bloquent la liquidité. Euh, combien de liquidités avons-nous actuellement de loquets Ah oui, à peu près 1,5 milliard. Je suis pas inquiet du tout. Euh, Marco, le mec, est déjà dans le top 100. Je, je, je sais même plus quoi dire. Je sais même plus quoi dire. Mais t'as vu ces stats folles Non mais mon gars, c'est limite indécent, indécent. Attends, je vais juste regarder rapido où on en est sur le tweet parce que vous êtes énervé. Ah ouais, d'accord. Vous êtes comme ça. Ok, d'accord, d'accord. Ok, ok, okay d'accord. Bon, bah écoutez, si ça vous fait tiger on le fera vraiment tout le temps. Euh, J'en étais où Non, on l'aura. Non, j'étais là-dessus. Je repars sur vos messages. Euh, c'est ouf. Ouais, carrément. À cause de Binance, impossible de. Ah, ferme comme un port Mais c'est abusé, ça. Euh, mais comme je vous dis, allez sur Telegram. Ils ils ont un Telegram français, foutez-leur des messages. Ils ont Twitter, taguez les Mais faites en sorte de vous faire entendre. C'est pas normal de, de tenir les gens en otage comme ça. fois euh, 22 Oui, j'ai été sauvé par Olag. Euh, trop, on essaye de me scam. Ah merde, au jour 1. Ah bah putain, ça fait chier. Les mecs, franchement, parlez pas du montant de GLD que vous détenez. C'est n'importe quoi ça. Euh, on a souvent perdu au <laughs> oh, On pourrait acheter des raids hors le launchpad. Euh, soon, tu pourras. En soi, théoriquement, il est prévu qu'il apparaisse sur le Dex. Et après, je pense qu'il sera certainement listé ailleurs. Mais euh, en attendant, le launchpad, tu l'as un prix très intéressant. Euh, Space Fion. Oh, vous avez des pseudos. Le mettre, le mettre, ça, hein, quand même. Hein. <laughs> on peut avoir plusieurs tickets gagnants. Oui, tu peux avoir plusieurs tickets gagnants, mais bien sûr. Bien sûr, regarde, tu vas là. Et euh, tu vois, tu peux acheter jusqu'à 4 tickets. Dans les 4 tickets, tu peux en avoir 0, 1, 2, 3 ou 4 gagnants. Bon, si tu en as 4 gagnants sur 10 000 tickets, tu vas te poser des questions. Parce que tu auras un peu une chance de cocu, quoi. Mais je ne veux pas dire, mais. Hum, compliqué, hein, c'est pas ce fiant. <laughs> Mini Frimousse. T'as pas le droit de te moquer. <laughs> Je me moque pas, tu me moques pas. Raging le Tika Ride. Ouh là, là, vous voulez me mettre dans la sauce avec sorti le fait de sortir un token. J'ai eu dit, il y a des trucs de prévu. Déjà, on commence avec Kowat. Où on va faire des choses bien comme il faut. On va vous dropper des infos, là, je pense, qui vont vous faire méchamment plaisir. Je sais, je tease, je fais un petit peu mon béni, mais honnêtement, ça fait vraiment plaisir. Et là, on avance de fou. Donc, euh, voilà, j'aurai un plaisir fou à vous communiquer des choses incessamment sous peu. Mais ça arrive fort, comme dirait l'autre. Euh, bibi Fricotin, sur le DEX, une fois le lancement passé, et dans un fonctionnement normal, c'est quoi en général les niveaux d'APR On verra, je ne peux pas te dire ça. Ça, c'est boule de cristal. Ce sera vraiment la demande, du coup, qui fera, qui fera que ça. loco que des numéros 10, yes. So, salut Abelaud Hé, hey, Abelaud, alors <laughs> Je te vois parce que dans les TikTok par en live, à chaque fois tu pars et tu me dis j'ai jamais gagné. Ah, belode, attention, il y a le concours, il y a enfin le tirage au sort, il y a les 10 NFT qui partent à la fin du TikTok par en live. J'ai épinglé un tweet ici qu'il faut liker, RT et identifier un ami pour être sélectionné pour le tirage au sort. Hein Me fais pas comme les dernières fois en me disant ouais allez c'est toujours les autres patati patata. Va le faire, avant de dire que je t'avais pas prévenu. Allez, file, fais tes devoirs. <laughs> uh, you guys it. J'ai splitté mes EGLD en 12 comptes pour maximiser le nombre de tickets. Ouais, pourquoi pas, c'est smart. Toi, tu aimes bien te faire chier, par contre. Mais si tu as une ledger, plus peut-être de comptes à côté, c'est cool. Brismad, du coup, les raids, on pourra les stocker sur le White Hell si on en a Oui, je pense qu'ils apparaîtront. Et puis, de toute façon, au final, c'est qu'un token en, au format MSDT que tu peux rajouter. Salut à toi, King Marco, justement, avec la poule EGLD-USDC, tu te manges une énorme ma impermanent loss à cause du pump du EGLD. Ouais, donc voilà, vous voyez, donc vu qu'en plus, on est sur du stable derrière, euh, euh, moi, je. C'est pas que je suis allergique, mais le stable, voilà, c'est que j'ai pris un profit sur ma position, ça part en landing et est terminé, mais je ne fais pas autre chose avec. Euh, J-Loco, les rendements étaient meilleurs au lancement sur EGLD-USDC. Au lancement, mais depuis l'arrivée. De masse de gens dessus, c'est compliqué. H.E.S. pourtant, malgré l'APR, euh, je gagne plus sur le GLD SDC que MEX. Ah, ça. Bah, après, tout dépend comment c'est opti, mais tout le monde ne gagne pas. Après, ceux qui gagnent, très bien, et puis il faut euh, gagner dans toutes les poules. Hein. Je ne taille pas, absolument pas. Je dis juste que c'est pas ma cam. Attention, on ne fait pas de, de, de transverse de, de, de langage. Hein. Salut Kev. Euh, Calmia Manager. Ouais, Benes, nice, bloque encore. Ouais, donc n'hésitez pas quand même à leur mettre un message parce que les mecs, quand même, là, c'est tout. C'est tout match. Somoine, il faut regarder ce qui s'est passé avec FTM, Sushi, etc. Seule différence, liquidité totale. Ensuite, vous êtes sur Elrond, la suite va être surprenante. C'est un bon résumé, ça me va bien. Merci, Trader. Oh, ça va le pseudo, j'aime bien. Abelode, il y aura un afterlife Ouais, on va en faire un petit euh, Abelode par la suite. Spation, est-ce qu'on peut avoir plusieurs tickets gagnants sur lunchpad Mais oui, je t'ai répondu, Coco Lapin. Euh, Atkin 195-198, monsieur, attention, on rigole pas ici. Bon, on ne veut pas dépasser les 200 là, hein. vous n'avez pas ramené à cette pote là. <laughs> Majestic, quel est le pourcentage de tickets gagnants Ah, bah ça, après, on sait pas. On sait pas, on sait pas. Euh, Toons, passion, oui, tu peux être refusé en plus. Voilà, parfait. Nicopa, bientôt 200 viewers. Yes, on va voir ça. Euh, Mikado, tu en penses quoi du projet d'Amixem Je pense que c'est sympa. Je pense que c'est sympa parce que le mec, il a l'air de kiffer ce qu'il fait. Alors, c'est pas un mec que je follow sur YouTube, mais c'est un mec qui a l'air de kiffer l'espace, tout ça, et qui, qui a l'air de prendre le projet à cœur. Donc, c'est cool. Un projet entrepreneurial à partir du moment où il est pris à cœur, c'est que tu seras investi à 400%. Donc ça me va, et en plus derrière que ça fasse un peu de com sur LRON, je veux dire c'est tout bénef. Après, euh, moi j'aime bien l'espace aussi, je sais pas si je me laisserai tenter ou pas, mais je vais laisser passer peut-être plusieurs séries quand il y aura peut-être des bracelets interchangeables et tout ça. Moi je suis un gros geek, hein, si c'est pas digital, il faut que j'ai des trucs pour custom et compagnie, euh, peut-être que je me laisserai tenter, mais ça a l'air intéressant en tout cas. Ouais. Euh, Brio, coucou capo, la stratégie Skyzox. Si tu en penses quoi bah, Je pense que ça marche aussi. Hein. Après, euh, ça vous permet de, de rentrer sur des stratégies avec des. Euh, comment dire euh, De façon modérée, avec différents types euh, d'exposition. De, de, je dirais ça comme ça. Donc la stratégie de Sky, elle fonctionne aussi. Donc euh, voilà, c'est en fonction de comment vous avez envie d'être exposé sur le Maya Exchange. Madiamine, j'ai pas trop compris comment ça marche. On mène nos EGLD sur le Maya Launchpad pour être éligible avec le KYC ou ride Non, tu passes ton KYC il faut que tu aies des EGLD qui sont en, st en stacking stacking comme tu veux, chez des euh, SP, de préférence Frenchy parce qu'il faut faire bosser nos compatriotes euh, Coucou, euh, Cryptobay, Middle Stacking euh, WaveNode euh, et d'autres, comme Pardon, comme ça, au moins, euh, tu gagnes des tiers. Et en fonction des tiers, tu pourras faire ça sans problème. Je me suis inscrit parfait à euh, Je vais perdre comme... <laughs> Mais pars pas comme ça, putain. Mais 100% des gagnants ont déjà tenté leur chance à N'oublie pas ça. <laughs> Blabird Shadow, merci pour le follow. Merci Europrinter aussi pour le follow. Euh, mais Mike, je viens d'avoir des transactions sur Maillard. Multi-DT euh, Transfer, ça veut dire une action de la, de la part... Euh, Multi-ESDT NFT transfert, ça veut dire que tu as peut-être reçu un NFT théoriquement, soit ça, soit. Alors, je n'ai pas regardé euh, comment ça s'appelle, mais en fait, quand tu fais un, un token, euh, comment dire ça Quand tu crées un LP token, en fait, c'est un SFT, donc c'est aussi un NFT. Donc, il se peut que ce soit ça, ou sinon, c'est que tu as euh, reçu un NFT sur ton wallet, mais il faut que tu regardes depuis euh, l'Explorer directement. Francky, comment tu fais pour euh, les 12 KYC mais il n'y en a pas 12 là, il y en a qu'un en attendant. Merci pour le follow Rémi 8460. Um, TradeR, merci pour les infos sur Maillard et tes strats. Pas de soucis. J'investis ce que j'ai pu sur GLD grâce à tes vidéos et maintenant je vais FCP. Putain, ça c'est quali, Ça, ça fait plaisir. J'ai aussi créé mon compte Twitter et Twitch pour suivre tes vidéos, donc m'en veux pas. Si je tag aileron network sur tirage unité, j'ai pas d'amis. <laughs> Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Tu tagues quelqu'un, il n'y a aucun problème. Mais ça, ça fait plaisir, ce type de, de com. Ça veut dire que le travail paie. Ça veut dire que je suis assez clair dans mes explications et que ça vous permet de vous onboarder dans le projet. Donc je suis très content de ça. Merci pour le follow rouleau. Euh, TG Olimander. Je suis DSL, mais tu peux me réexpliquer les taux. Euh, tu parles de quel taux, euh, TG Parce qu'en gros, si tu parles du, 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 du DEX qui a ici, tu as donc du coup les APR. Donc les APR, c'est euh, les intérêts qui vont être doublés si tu décides de verrouiller les rewards issus de cette pool. Tu une connerie, tu as fourni ta liquidité là, tu attends de Locked Max ici, et si tu décides de les harvest ou de withdraw, donc de retirer la liquidité que as apporté, tu as apportée, tu ne pourras pas par exemple les swapper pour du gel des temps qui sont verrouillés. Et à un moment donné, ils se déverrouilleront et tu pourras le faire. Tu vois, euh, la PY, du coup, c'est que tu décides de ne pas verrouiller donc, euh, tes tokens et du coup, tu as un rendement un peu plus élevé pour le moment, tu vois. Et ça, ça va réduire en fonction des émissions de mecs par bloc qui devraient arriver, du coup, à chaque semaine. Euh, voilà la chose. Surtout que Binin, c'est un gros partenaire des Londres. Bah ouais, ils sortent de... de leur rideau a été fait dessus, donc c'est ça qui est un peu relou. Merci, le... Pipo la Terreur. <laughs> c'est marrant comme pseudo, ça, pour le follow. Alors, les petits potes, je pense qu'il va nous rester encore 20 petites minutes. Je vois que vous faites bien le taf, il a pas de souci. D'ici... Euh, allez, d'ici 20 minutes, à euh, 22h20, je vais aller directement euh, récupérer les participations. Donc veillez bien à avoir fait ça sur celui qui est en tweet épinglé, les autres ne sont pas pris en compte, c'est bien celui-ci. Je le répète parce que je sais que je vais avoir le message, donc je le dis déjà. Euh... <laughs> on a Winbo, <laughs> All in. <laughs> All in, oui, si tu veux, mais c'est pas ce que je conseille. Mais si c'est ta stratégie, vas-y, y a pas de problème. Euh... H, ah, j'ai acheté un bracelet Space Fox pour fêter les gars du Mex. Propre, de toute façon, tu joues déjà avec tes bénéfices, donc, euh... ouais, c'est de la crème. C'est de la crème. Euh, les îles, oui. Et l'autre capot, je voulais savoir sur quoi euh, s'applique 1% de fee quand on retire... 3 au taux de la poule, eh ben, ça s'implique directement sur la liquidité que tu as ajoutée, tu vois, ici ouais, mais c'est pas ce que je t'ai demandé mafia, ferme moi ça, voilà, ici tu aurais du coup du euh, EGLDMX en apport liquidité, ça t'en fait aller chez une connerie euh, 2.4 par exemple et elle est constituée de ce que tu veux hein, voilà, de potions magiques et des et tout ça <laughs> et après euh, si tu décides de retirer avant les 72 ou 96 heures tu vas te taper 1% de pénalité sur cet apport de liquidité tu vois Donc euh, voilà, vous pouvez le faire. Si vous farmez comme des portes, théoriquement, les rewards, ils vont venir euh, éponger un peu sur 1%. Ça permet de pouvoir, euh, voilà. Euh, euh, comment dire De pouvoir euh, aller euh, euh, ajuster sa stratégie en temps réel. Mais voilà, c'est comme vous le souhaitez, les mecs. Voilà, oulala, là là, ça balance du à boire. Allez. La d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération. On en aura... on... voit. Alors, on a... Waouh, le pseudo en rouge, wow, j'arrive pas à le lire, c'est horrible. Euh, Jean-Gertrude, ah voilà. C'est quoi le problème avec la boule USDC par rapport à celle du MEX GLD bah, C'est que tu as un stablecoin, et un token qui prend beaucoup de valeur, donc du coup, tu es, es vachement soumis à l'impermanent loss. Donc euh, voilà, après, ça ça dépend de combien tu as apporté sur celle-ci, potentiellement sur les autres. Est-ce que du coup, les performances des autres couvrent l'impermanent loss Voilà, mais c'est ça qui fait, qui fait la diff. Ok, um, OK, CryptoCara, pourquoi je ne me retrouve avec des poussières de Wrap GLD dans mon account de détail en faisant la strat FCP? Bah, C'est parce que tu as par moment des, des restes de, de transac, tu peux claim à nouveau euh, ces WGLD, à attend qu'il fasse un petit montant, j'en sais rien, moi à partir du moment où ça fait entre euh, fallait... Euh 50 centimes et 1 euro, je suis une connerie, par exemple, tu les réclames parce qu'il faut aussi payer les frais de transaction et puis on n'en parle plus. Mais oui, c'est par moment quand tu as des transactions, ça, ça arrive. Kuwabara, au sein de mon bague, j'ai déjà alloué. Ah, mais pourquoi j'ai un message qui apparaît frio Voilà, 25% du DEX, le reste est resté stacké depuis deux jours. J'ai tellement le barreau fait grand mal. Vous êtes des fous que je pense à déstacker 20% de plus, sauf que disponible dans 10 jours, j'ai peur que ça vaille beaucoup moins le risque tu en penses quoi Je te dis qu'il faudra prendre en compte que chaque semaine, tu vas avoir moins d'émissions de MEX par bloc. Donc, les rendements vont baisser. Tu peux continuer à ajouter de la liquidité si tu le souhaites, et si c'est la stratégie que tu as définie, mais, 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 les rendements ne seront pas euh, pareils vis-à-vis euh, -vis de cette semaine. Ils seront inférieurs. Et vu que tu as 10 jours, tu vas partir sur euh, ce, déjà la semaine pro, c'est mort, donc tu vas attaquer certainement la troisième semaine, et euh, je ne suis incapable de dire où en seront les rendements à ce moment-là. Chose. Euh, je le ferai pas perso. Laisse courir ton 25% alloué. Exactement. Vandoforil, ben, peux-tu nous expliquer la ressource notifiée VRAP EGLD avec un montant qui augmente ben, En fait, c'est juste ça. Des... En fait, euh, des fois, vous faites des transactions de, de swap ou vous faites du farm. Et euh, pendant ces transactions, ben, vous avez... alors. C'est comme si vous aviez un petit front run, en fait, et c'est un reste de GLD de transaction. C'est ce qui n'a pas été consommé, en fait, pendant la transaction, par exemple. D'accord Et ça, au fur et à mesure, ça va venir s'incrémenter, parce que bah, si le GLD prend la valeur, le WRAP EGLD va en prendre aussi, parce que c'est un token wrappé, donc c'est comme un, un petit fork le temps de la transaction du EGLD. Et euh, après, vous pourrez les réclamer pour les rajouter dans votre euh, bague de EGLD. Donc, c'est rarement des grosses sommes tout de suite, tu vois, mais euh, vous pouvez les réclamer pour les avoir à nouveau dans vos. Wallet. Euh... Nanana, ouais, rejoignez le titeur, c'est parfait, c'est exactement ça. Les notifications, ça pète. Il nous reste encore 15 minutes avant que je les bloque, donc je dis rien, je vous laisse faire votre petite magie et je regarde vos questions comme d'habitude. Euh... Blackbird Shadow, mon KYC n'est pas passé et je ne peux pas le refaire, je comprends pas. Ouais, en fait, c'est que. Euh... Les niveaux d'exigence d'HoloRide sont extrêmement élevés. Okay euh, il passe avec un prestataire qui s'appelle Synapse qui, euh, lui, vérifie déjà une première fois le KYC. Euh, il l'envoie du coup à HoloRide et HoloRide après donne son go ou pas. Donc c'est très, très compliqué à passer, mais même des fois en cas d'un doute même minime, même si ce que tu dis est vrai, mais s'il y a un doute minime, ils ne prennent même pas le risque et ils valident pas le, le KYC. Euh, Jaguar 94, question bête, il y en a pas. Si j'apporte de la liquidité sans mettre en farm, je suis sur du APY. Si tu apportes de la liquidité mais que tu ne mets pas en farming, euh, merci, tu ne seras pas du tout sur du APY. Merci Zarmo 71042 pour le follow. Tu ne seras pas en APY, tu seras juste dans une poule. D'accord Et ça, tu auras 0,25% euh, des transactions, euh, bien sûr au bourata de ce que tu as apporté à la poule, qui te reviendront directement. Donc tu ne seras même pas dans une poule de farm. C'est à partir du moment où tu as apporté de la liquidité et que tu obtiens un fameux LP token, donc un token wrappé, tu vas dans le farm, tu choisis d'être euh, en APR en loquant tes rewards ou en APY en le faisant pas, et là tu pourras être en APY. <laughs> Remedial, tu penses qu'on peut farmer comme des porcs tranquilles pendant une semaine ou deux avec ces rendements Clairement, oui. Voilà, oui, oui, oui. Dagnir qui me balance un hein, à boire. Toi, toi, tu me trahis comme ça <laughs> Non, je déconne. Est-ce qu'il y en reste Oui, il y en reste. Vous avez du bol. On. EGLD83. Sur la poule, le gel des mecs, c'est plutôt de l'impermanente l'imperma L'impermabénine. Vous connaissez celui-là Non bah, Il faudra peut-être commencer à vous renseigner, les gars. Euh, Abelode. On a une idée de l'évolution de la période, et de la PY. Ça dépendra des, des vagues qui vont nous arriver dans la gueule. C'est compliqué de, de faire des projections. Euh, Mikado, les 0,25 que chaque liquidity provider gagne, ils apparaissent où Comment Ah, en fait, tu les verras. Hop, tu les verras bah, tout simplement ici. Merde, ouais je suis pas connecté, bref. Tu les verras quand tu fournis ta poule de liquidité ici, tu les verras dans ton wallet euh, total. Euh, ça viendra rajouter de la liquidité en plus. Mais 0,25% de toutes les transactions, c'est pas fameux. Et euh, si vous avez des petits montants de GLD, merci pour le follow, Rémi IRL. Euh, si vous avez des petits montants de GLD qui traînent, c'est cool de laisser ça là-dedans, histoire de voilà, ramasser des petites liquidités en plus. D'autant plus si on se prend des grosses vagues d'adoption derrière. Mais le plus important, ça reste de farmer au moins sur ces premières semaines, malheureux. Rattrape 42, Yotika, Yeolimaxi, des les maxi. Déjà, je débarque à peine. Du coup, quelle fréquence pour Harvest et réinjecter tes Ça dépend de tes rewards, euh, Mouyalmano. Um, par du principe que euh, si tu arrives à avoir euh, sur une heure, que ton impermanent loss est très limité et que euh, tu fais je sais pas moi 5 10 15 20 25 30 50 100 200 000 3000 euros je te le souhaite <laughs> par heure de max gagner euh, tu harvestes autant de fois que tu veux une transaction c'est en, entre 6 et euh, 25 centimes je crois j'ai vu au max donc euh, pff, harvest autant que tu veux gaffe-toi comme un porc dès le début malheureux <laughs> euh, qu'est-ce qu'on a d'autre euh, Zarmo, comment voir mon sol des GLD et de MEX sur le DEX bah Pour l'instant, tu vois des LP tokens et quand tu survoles ici, normalement, il y a écrit euh, euh, EGLD, LKMEX ou un truc comme ça avec un petit I à côté. Tu survoles le I et tu vois le nombre de GLD et de MEX qui sont bloqués là-dedans. Euh, pareil c'est pas passé pour moi non plus ouais relou ça, malheureusement même si vous envoyez des mails à, bon là c'est trop tard hein, clairement, mais si vous envoyez des mails à Synapse c'est pas sûr que ça débloque la situation euh, Shit68, salut est-ce que tu sais euh, pourquoi j'ai un message sur le Dex qui me met euh, qui me marque que mon navigateur ne prend pas en charge le mail je suis sur Edge t'as tout dit <laughs> fais-le sur Firefox ou Chrome mais Edge est pas supporté, officiellement rouleau. il faut que je me renseigne fort sur les IEL du coup, car j'ai pas trop capté tout ça. Je suis dans la poule USDC EGLD, donc tu me fais peur. <laughs> mais non, tranquille. J'ai l'impression pourtant gagner beaucoup. Euh, c'est à quel moment que je suis censé me faire détruire potentiellement <laughs> En fait, tu te fais pas détruire. En fait, l'iel vaut lui vouer un culte en mode bon, c'est le mal, c'est Satan, il me prend des sous l'enculé. Mais c'est pas ça du tout. Enfin, oui et non. Dans l'idée, vous voyez. Euh, l'apport de liquidité que vous faites il a une valeur qui fluctue en fonction des hausses et des baisses des deux tokens que vous avez fournis. ça c'est un fait si vous avez de l'iel c'est soit au moment du retrait vous allez retirer un peu moins de gld mais un peu plus de mex parce que sa valeur aura pris et celle du gld baissé ou l'inverse d'accord donc dans l'idée même si vous perdez un shouya ou même peut-être je sais pas ça dépend de la cloque qu'on pourrait se prendre dans la gueule beaucoup de gld ce sera compensé par la, 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 la comment dire le, le euh, comment dire, par le MEX, quoi. En gros, la valeur, elle sera compensée par le gel perdu en MEX, quoi. Tu vois Et en gros, vous aurez donc la valeur de votre marché, euh, de votre bague, bien sûr, soumis à la volatilité. Hein. Je ne vous dis pas que si le GLD, il perd euh, 200 balles et que euh, tu avais un montant de 3000 euros affiché, tu vas retrouver 3000 euros. Non. Mais le tout sera toujours accordé au marché et euh, tu auras donc la valeur du token qui a perdu qui sera absorbée par celle qui en a gagné. Voilà, c'est aussi simple que ça. Hmm. Minx, un uh, top mec de mecs qui ont menti au ok, KOSI ont été pris. Franchement, euh, je ne sais pas du tout. J'ai aucun moyen de, de traquer ça. J'espère pas. Ah ah, I -B -S, yes. Le verre était vide. On t'a vu. Arrête de mentir. Il m'en reste un, une goutte là. Maintenant tout de suite. <laughs> Merci, cro Crypto Cogus. Ah bah super. Salut, Bena Papillon. Uh, raging genre, même si les APR baissent à 100%, ça reste extrêmement intéressant. <laughs> uh, les mais si il baisse je pars sur la py y fin de l'histoire fin du game <laughs> si les deux sont à zéro bah j'aurais du mex à 5% qui sera stacké là haut et monos c'est le hein. et puis terminé et au pire si plus rien ne marche je m'en fous j'ai des mex terminé terminé ouais toujours il y a, y a que des bonnes nouvelles on peut pas on peut pas entacher tout ça les gars il reste 9 minutes avant que je close les participations pour vous savez les 10 personnes tirées au sort pour ce fameux nft alors Rémi, j'ai vraiment du mal à comprendre ce qu'est l'impermanent loss. Oh je viens de le faire quatre fois, j'ai plus le goût. Mais différence entre ce que tu aurais eu en les gardant tout simplement en stacking versus j'ai fourni une poule de liquidité, EGLD a perdu de la valeur, je retire le total de ma poule, j'ai moins de GLD que ce que j'ai déposé au départ voilà je dis un que ça euh, mimix donc le lock débloquable en V23, c'est de la py et non le lock de la pr ça c'est euh, la p enfin ça dépend parce que tu peux utiliser de la py pour farmer un peu euh, comme un enfoiré sauf si tu utilises des rewards euh, d'un ancien d'une ancienne poule que tu as récupérée qui avait donc du coup des, des, des mecs bloqués mais sinon si tu décides de faire de l'APR tes rewards seront bloqués et eux se déverrouilleront d'ici euh, voilà le temps tu vois euh... nanana, 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 nanana. Alors je, je regarde rapido ces messages hein, parce que là ça, ça envoie du steak euh... merde j'ai perdu le fil j'ai perdu le fil j'ai perdu le fil merci pour le follow sur i492 à euh... ah, ah Toons je reprends là les gars parce que j'ai perdu le, le fil des converses euh, t'as interrompu le match OLOM à cause de ton magnifique live et mec je le regarde même pas j'ai même pas regardé s'il y avait des notifs je sais même pas s'ils vont nous faire un match d'anthologie à la 5-5 dont on connaît tous l'issue tragique mais qui était un match fabuleux faut avouer je préfère pas me mettre dessus pour l'instant euh... Marco, pour le long terme, on s'en fout de l'impermanent loss, surtout avec 3000%. Oui Et c'est ce que je veux dire avec la, la, la strat farmée comme des ports. Uh, Magaune, pense tu que le prix du MEX augmentera Bien évidemment. Raik, je m'absente 5 minutes, il faut que j'aille. <laughs> harvest, je t'en prie, vas-y, tu es tout excusé. Cryptococcus est impossible de harvest, mais MEX, il me dit que c'est impossible qu'à partir de 5 dollars mais j'en ai plus de 5 bugs passagers. Euh, il faut que. Alors, si tu fais harvest all et tu as une des poules qui n'est pas à plus de 5 dollars, tu pourras pas tout harvest. Il faut que tu déplies, du coup, euh, la poule en question. La poule, on dirait que je parle d'une meuf, mais de toute façon, tu vois. Ouais, tu vois, cette poule-là, bah, tu la déplies et tu la harvestes directement. Ah, C'est pas bon, ça. Alors, attends, je vais utiliser un autre mot. En gros, si tu prends euh, cette strat-là, par exemple, ici, tu auras un bouton qui sera euh, « Harvest All ». S'il est grisé... Tu déplies la poule comme ça, et si tu as deux apports de liquidité, dont un qui a plus de 5 dollars, là tu pourras faire ton retrait. Les gars, il reste 6 minutes. Je regarde, hein, mais il reste 6 minutes avant que je fasse le tirage au sort. Hop là alors, t as, t as, t as, t as, je regarde le message. La notif sur Edge n'a pas d'importance. Ça fonctionne bien. Parfait. Euh, Laura semi, Asher a fait une vidéo sur le permanent loss qui explique bien le sujet. Voilà, parfait. Darine, que des bonnes nouvelles si tu fais tes devoirs comme il faut. <laughs> Tout est sécurisé pour ma part. Parfait. Merci, Shuffle, what the fuck, pour le follow. Ouais. Euh, ben Apollon, le FCP, c'est pour accumuler du mec à la mort. <laughs> Ou ton bit, c'est de swap en EGLD. Je cherche une stratégie. Quoi qu'il en soit, FCP, tu accumules du Mex comme un porc. Fin de l'histoire. Après, ta stratégie, c'est à toi de l'orienter. Tu accumules du Mex comme un porc dans quel sens Pour dire, je sais qu'il va y avoir d'autres choses que juste de, des votes de gouvernance sur le DEX pour des trucs classiques shitty d'AMM. Et du coup, je les swap en EGLD, ou... Je fais moitié-moitié. Ce que j'ai récupéré, j'en swap une partie en EGLD. L'autre partie, je la garde en euh, MEX. Et je la lock et je la fous dans la poule MEX-MEX. C'est toi qui vois, comme dame. Merci pour le follow, Crush929. Du coup. Euh, alors, je reprends. Désolé, les questions, les gars, elles filent. Et je ne peux pas taper tout le monde. Sachant que dans 5 minutes, il faut que je fasse le tirage au sort. <laughs> euh, Majestic, si je comprends bien, on n'a pas coché pour un an. On a 10 000 de rendement. Oui, monsieur, c'est bien ça. Riding le tirage au sort. Riding dans 5 minutes. 5 <laughs> minutes. Chutelle, um, what the fuck Tu connais uh, SPRC20 sur Twitter Non, pas du tout. Uh, Kawabara, dans quel cas la s'applique-t-il Même question pour la PY. APR uniquement quand tu décides de verrouiller tes rewards et APY uniquement si tu décides de ne le, pas les verrouiller. Marc, pour être après Y, il faut utiliser seulement nos mecs normaux et pas nos lk si j'ai bien compris. Bah, en fait, tu peux avoir des LK-mecs pour fournir la liquidité ou en foutant des OGLD en face. À partir du moment où tu les verrouilles pas, bah les mecs que tu vas recevoir, ils seront pas verrouillés non plus. Donc, tu peux même utiliser pour fournir ta liquidité des LK-mecs locés, nos problèmes. Euh, Trade her les mecs euh, dans les deux cas mecs long terme ça va se développer en EGLD en bas <laughs> de mineur, tu gars ah, je sais pas je pense je sais pas s'il ira aussi haut mais dans l'idée je me dis si déjà le truc, tu peux être sûr qu'il va y avoir des votes de gouvernance pour du burn et pour plein d'autres features qui vont arriver sur le DEX et que le truc il va être sexy, qui va être listé sur les exchanges et qui va y avoir, voilà les volumes et voilà les usages. Ok, après, euh, moi je le vois plutôt comme une currency et je me mets déjà un target long terme, hein, potentiellement sur du pancake à l'heure actuelle, ce qui serait déjà énorme au vu de ce qu'on accumule à l'heure actuelle. Donc, accumuler. Bisous. Euh, ça va, le match Lyon Marseille interrompu à la troisième minute. Payet s'est pris une bouteille d'eau en pleine tronche. Bah Vivie ne sera pas contente, mais en vrai, <laughs> c'est Payet hein. Et puis on est égone ici. Hein. Oh, te <laughs> le Non, j'ai déjà répondu, je ne connais pas. Laura, est qu y a quel est ton pourcentage de locked et non locked Franchement, je suis à 60%. 6-7% non lock et du coup tout le reste étant lock voilà euh, Crush, salut Ticapo, tu sais quel est le Samshop pour Npad va être fait Non, je ne sais pas encore mais dès que j'aurai des infos je n'hésiterai pas à vous communiquer tout ça Brother6, yes Mitch APR du FCP token à 10 000% oh, 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 oh. Euh, là on va l'être petite je rêvais d'être fermier elle le rond la <laughs> Ok, j'ai forme des porcs et je gère des poules. <laughs> Elle est pas mal celle là, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Euh... je reprends du dilon, <laughs> ton verre est vide. Ouais, 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 mais là, les gars, dans deux minutes, j'arrête le tirage au sort, je vais pas recharger maintenant, je vais arrêter, le verre sera encore plein, je vais devoir le finir après, il y aura plus personne. Ouais, c'est moins marrant, c'est moins marrant. <laughs> euh, bravo pour tes vidéos en passant, merci beaucoup, tant que ça vous fait... Kiffer, c'est top. Chef what de fake, le Saint-Pierre, Saint-Pierre RC20, sur Twitter a dit que tu étais tombé du ciel. Ok, cool. Eh bien, écoute, j'irai voir ça. Merci, c'est cool. Si ça aide les gens, moi, c'est le but. De toute façon, c'est aider les personnes à comprendre l'écosystème, à l'utiliser de façon à ce qu'on grandisse tous ensemble et que tout le monde profite de l'opportunité. Bordel, c'est ça le truc. Hacheuse, c'est un nude de Tikapeau, le NFT. Non, 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 c'est pas un nude. Mitch, je n'avais. Même pas pigé ça pour les locks et les aby, c'est cool. Euh, bah oui, carrément, mafia, carrément. Laura, farm comme une paysanne. Paysanne 2.0, s'il te plaît. 2.0 euh, raiding 1,6 milliards de TVL mais merde mais bordel j'ai commencé ça on était à 1,5 mais où allons-nous nous arrêter d'ailleurs 19 oulala là là oulala là là attends faut que je fasse un petit truc moi si c'est 19 alors là je vais plus voir le chat pendant deux petites secondes juste le temps pour moi d'aller faire ce qu'il faut de façon à merde à pouvoir faire mon petit tirage au sort des familles. Donc je vous en prie, voilà, parlez entre vous. Voilà, je je, je sais pas quel temps il fait chez vous, c'est sympathique. Hein. Ouais, voilà. Mm -hmm. Putain, t'as vu, Tika il prend même pas les devants et il fait son truc pendant le live. Du coup, c'est un peu en enfoiré parce qu'il nous met quand même de côté. Hein. Ah ouais, franchement, c'est pas sympa. C'est un peu en enfoiré pour ça. Il devrait quand même mieux préparer ses lives. Ouais, mais il paraît que Tika, il fait tout freestyle comme ça parce qu'il aime bien que les choses soient faites en live pour éviter que les gens disent que c'est de la merde. Ouais, mais bon, quand même. Hein. Moi, j'aurais préféré que pas perdre de temps et qu'il continue à répondre à nos questions et puis en attendant qu'il fasse ses trucs autrement. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. <laughs> bon, je finis ça, j'en ai pour trois secondes. J'importe le concours, c'est E20. Je récupère les participations dans 3, 2, 1. Maintenant, ça part. Voilà, on récupère les participations tout de suite. Hop, c'est parti. On maintient et on récupère. On récupère. Ok, c'est parti. J'ai toutes les participations, plus rien n'est pris en compte, les amis. Allez, c'est parti, let's go. Allons-y les amis, comme dirait notre amie Dora l'exploratrice. Maintenant, tout de suite, on enchaîne. Hop, ça, ça va. Tirage au sort, c'est maintenant. Euh, vu d'ensemble, prochaine étape, Procéder au tirage au sort. Parfait, je réponds. De toute façon, là, les participations sont closes. J'avais dit Evin, c'est 20 les mecs. Et je fais le tirage au sort dans deux minutes. Euh, je regarde rapidement les messages. Merci pour euh, le follow, Mick Wood. Merci Noam pour le prime, c'est cool. Et Brigadier pas pour le follow c'est super cool le tu n'es que sur la paire gel des mecs 90% le reste c'est du mecs mecs Abelode, qui a dit d'être fermé n'était plus à la mode mais de fou attends pour être sûr tu viens d'expliquer que tu gagnes des mecs plus rapidement que des LK-mecs. oui monsieur en APY. « Ah, euh, Nicopa, ici, il finit. »« je débarque seulement, j'avais pas vu. »« Mais oui, mais je l'ai dit !» De toute façon, il faut checker. À partir du moment où vous voyez que les lives ils démarrent à 21h. Généralement, 21h30, je balance le tweet, je le mets en tweet épinglé, et là, c'est la participation pour le tirage au sort. Mais là, tout est fait. Un de Robinho n'est pas là Non, il n'est pas là, Robinho. Il faudra le, faudra le taguer, il hein. faudra lui dire, oh, tu viens plus aux soirées, là, qu'est-ce qui se passe On lui fait un coup de service après-vente. Rix, nous sommes à 122 pour le concours, hein. on va voir ça. Euh, Laura, d'ailleurs, ça fait longtemps que tu ne nous as pas fait golo, mon précieux. Oui, nous serions plus fermés comme départ Oui, mon précieux, mon précieux. Ah, l'autre, il a dit qu'il est fermé depuis la mode, j'ai vu Toons sur le chat de Telegram, et le Ronde, en date du 3 novembre sur le chat de Pousset dit, le MPA n'existera jamais. Ah, c'est dommage ça. Bah, je vais regarder. Je poserai la question. Franchement, j'ai pas eu la, la confirmation. Euh, Tangax, merci pour le follow. C'est TTFCP en force ici. Je stack des GLD sur Maillard que, euh, que je casse sur WaveNode. Ça ne donne pas de rendement avec un période de transposition. Je me demande si euh, tu étais déjà arrivé. Ou si c'est WaveNode qui a un problème. Il y a pas de problème. C'est juste que par moment, tu peux avoir la note qui n'est pas sélectionnée. Ça arrive de temps à autre, mais ce n'est pas un problème particulier. Morgan Thomas, non, j'avais oublié qu'on est dimanche avec la folie de ces derniers jours. Oui, Vendo, qu quelles sont les personnes dans ton cadre? Qui sont les personnes dans mon cadre, Quel cadre Ah, c'est pas des personnes Là-bas, c'est un lion que vous avez et c'est ma sœur qui me l'a peint. Donc voilà, c'est un lion, un roi, mais ce n'est pas des personnes. <laughs> je vous le montrerai à l'occasion. J'en ferai peut-être un NFT, tiens, tant <laughs> <Dans> qu'à <café. rire> Toons, on a dit que le M-PAN n'existera pas. Ah, voilà, bah, ça, je ne l'avais pas vu. Merci pour l'imitation, c'est cool euh, Je suis en train d'imaginer un projet d'échange particulier, mais je suis au tout début, je recherche à savoir quels sont les endroits euh, pour lister les cryptos, etc. Bah, tu regardes sur CoinMarketCap ou sur. Euh, CoinGecko est à tous les exchanges disponibles à la vie et à la mort. Bon, les gars, je vais effectuer le tirage au sort. Je ne vois plus les commentaires. Hop, parfait. Je vais vous afficher ça tout de suite. Je fais le tirage définitif. Et c'est parti. On maintient, on démarre, on fait ça. Parfait. Et nous avons notre liste de gagnants. Et c'est parti. Alors, je vais afficher ça, really soon. J'espère que vous êtes up, ouais, les fois. Ça marche, ça marche. On envoie ça. Boum, tirage au sort. Et nous avons nos gagnants qui sont ici. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais nous avons... Alors, je n'ai pas un mode nuit là-dessus, hein, c'est dommage. Mais nous avons donc. Crypto Raymondo, nous avons Regid Pac-Man, nous avons Elrona Dick, nous avons Selding, nous avons Kiki 374, tu te reconnecteras. Okris, Le Corbac, Rémy Guy, Falcao Sud, Wick 972, Mitch 972 et euh, bonne foi. Donc les gars, n'hésitez pas à aller follow directement, à m'envoyer un MP. <laughs> Belote, je ne pas gagné. <laughs> Ce sera pour la prochaine fois, dimanche prochain, on en fera un autre, t'inquiète pas. Donc du coup, euh, là. Ce que vous faites, vous me balancez un DM euh, en mettant bien euh, JCC pour que du coup euh, je repasse là euh, alors je ne sais pas si je le ferai dans la soirée tout de suite tout de suite mais certainement demain dans la soirée ou plus tard, je vous balancerai les NFT directement. Vous me mettez euh, salut c'est moi le JCC patati patata comme ça je note les euh, gens qui me contactent. Vous me balancez les -tags, euh, pas les -tags, pardon, les adresses au format ERD, parce que je le fais avec, euh, avec le web wallet. Et après, ça part, ça pao, ça, part, ça part.

les petits potes. Euh, 27e petit capot par en live On arrive à la fin du game. Encore une fois, on est toujours aussi nombreux. C'est un truc de fou, voire même plus. On est à quasi 200 personnes. Il nous en manque juste un là pour tout faire. C'est oufissime. Euh, et puis, bah écoutez, on va regarder ça d'un peu, peu plus près. Ce que je vous propose d'ici, allez, 5 à 10 minutes. Allez, 5 minutes. Le temps de, de boire une petite gorgée de flotte quand même. On se retrouve sur le Discord. Pour ceux qui ont déjà euh, rejoint, bah voilà vous savez, les salons habituels. Ceux qui ne connaissent pas... Vous rejoignez le Discord et vous nous retrouvez dans le salon petit after live histoire qu'on soit en mode euh, bah, after live chill à répondre encore à 2-3 questions et à envoyer. Enfin jcc tirage au sort vous comprenez voilà c'est pour ça j'arrive pour gueuler <laughs> Reggie il a pas gagné ça il est pas contre. Ah, mais c'est pour tout le monde, c'est random, c'est aléatoire, malheureusement. Je ne lui dis rien du tout. Je vous souhaite une excellente soirée, les gars. Je vous dis à toutes directement dans euh, le Discord afin de pouvoir discuter dans le Tic After Live. Et sur ce, je vous souhaite une excellente semaine. Euh, je vous en prie, pour le live, il n'y a pas de souci. Le Discord, vous l'avez, vous avez les admins qui vont le caler. Voilà, parfait. Et on se cale d'ici 5 à 7 minutes dans le After Live. C'était le 27. 7ème, petit part en live. Encore une fois, je vous rince avec du NFT. Bravo aux gagnants. Pour ceux qui n'ont pas gagné, vous inquiétez pas. Dix autres personnes auront leur chance la semaine prochaine. Et je vous souhaite une excellente semaine. Et encore, j'espère que vous allez farmer comme des porcs pendant encore une bonne semaine et demie, au moins. Après, on verra comment ça se passe avec la réduction d'émissions. Mais au moins, farmer comme des porcs et faites-moi honneur. Salut l'équipe et très bonne soirée à vous tous. Bye bye.